J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal, comme d'habitude. On se retrouve pour l'épisode 14 de notre Let's Play sur Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. On va donc continuer nos petites missions. Après un épisode 13 chargé en complications, en dégoût une fois de plus, en émotion à la fin. C'était pas évident. Alors on va retourner au Kiziba, le Kizikizikan. Kizito. C'était quoi déjà le clash de Kizito contre Cynic? Je sais plus, bref. On va retourner les gars, c'était juste à côté. Donc comme je vous le disais lors de la fin de l'épisode 13, ça va être assez répétitif parce que ce sera dans la même zone. Et là c'est une mission différente, on doit aller libérer deux associés qui étaient infiltrés dans l'armée ennemie mais qui bossent pour nous. Donc j'ai envie de vous dire, si on a pu le faire la première fois, j'espère que cette fois-ci, ça se passera bien. Si on ne tombe pas encore sur des têtes de mort, là, des trucs, ce serait pas mal. Alors je roule phare éteint, évidemment, pour pas me faire griller. Par contre, je vais pas tarder à le lâcher, mon machin. Point de contrôle. Ah, sympa, les points de contrôle qui sont super efficaces, qui nous font reprendre directement là où on a échoué. Je rigole, évidemment, c'est ironique, hein. Mais je vous disais que je me corrige quand même. Ah, ok. Donc attends. En fait, oui, c'est le truc à chaque fois. Là, ils mettent un point de contrôle de machin. Que je me corrige. Lors du dernier épisode, je disais que c'est peut-être mon Metal Gear Solid que je préfère le moins. Mais en fait, non. Pour me corriger, je pense que c'est le Metal Gear Solid que je préfère peut-être le moins. C'est compliqué, je mélange tout. Je mélange tous mes mots, mes phrases. Que je préfère le moins faire en let's play. Parce que c'est très répétitif, c'est trop long, tout, enfin voilà, c'est chiant. Mais par contre, niveau scénar, niveau technique, graphisme, tout ça, c'est exceptionnel, hein. Vraiment, je le répète, 20 sur 20, les gars. Alors, ça dit quoi? Sauvetage agent renseignement. Rescue the Intel Agents, épisode numéro 17. Enfin, c'est la mission 17, mais c'est bien l'épisode 14, les gars, pas dans Tourloupe, évidemment. Ah, il est en train de m'affaiblir ce jeu, je vous jure. C'est affreux. Alors. Leurs heures sont comptées. Sont comptées. J'attrape un accent. Boss, rescue our men. Extract them both and get them back to Mother Base. Ok, extrait-les, ramène-les à Mother Base. Donc, il y en a un apparemment qui serait par là et un autre là-bas. Ok. Écoutez, je vais me rapprocher un petit peu. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Si je tombe pas avec mon camion. Il est stylé mon petit logo Deal Games, hein, sur la porte. On va déjà se rendre au B. Bon, il y a des ennemis là-bas, forcément. Là, il y a du monde aussi ou pas? Je vais rouler phare éteint, tiens. Vous m'avez pas vu, vous voyez rien. C'est bien. Qu'est-ce qu'il dit? Les lumières se sont éteintes. Un problème d'alimentation, on dirait. Et le plus près est vérifier l'alimentation. Ok. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc là? Enemy
Attendez, mais là c'est le bordel là, j'y suis allé un peu trop vite. Vérifier les alentours. Je sens que ça arrive sur moi, vas-y bref. Il y en a là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Je comprends rien, mais je comprends rien. Voilà. Là, ils sont tous excités là. Ils sont tous en état d'alerte en plus, juste pour m'arranger. Oh non. Or là les gars, je comprends rien ce que je fais. J'endors tout le monde, je sais même pas si c'est bien. Ah, il y a un doc là. Ok, alors. Ça dit quoi? Donne-moi des infos, s'il te plaît. J'ai besoin d'un peu d'aide quand même. Le jeu m'arrange un peu des fois. Mais comment? Ah bah c'est génial, si maintenant il y a des soldats habillés en mode tout américain, je sais pas ce que c'est là. Ah ouais. Ah, ça tire au mortier, d'accord. Et si je me cache comme ça? Bon, faut que j'essaye. Ah mais ok, y'en a un là, d'accord, ok, super. Excellent. Cessez le feu, cessez le feu. Wow. Même la plus vulgaire, la plus simple des missions, ça devient un truc, je vous jure. Prise de tête. Ouais, faut que j'arrête de me plaindre, moi. Hein. Ça devient grave. Hein. Objectif atteint. Ouais, bah il est où? Oh, c'est lui, non? C'est lui, c'est lui. Tiens. T'es déjà un, alors. Thank you.
Boss, our man you extracted gave us all the intel he could. Now we know exactly where our other agent is being held captive. And he brought back intel on the CFA. Guy deserves a raise. Check it on your iDroid. Documents ajoutés. Info carte mise à jour. Ok. Je voulais enlever le point A. Voilà. Oui, le secteur. Ouais, de toute façon. Pas le choix. Des fois, j'ai tellement envie de rusher, je vous jure. Mais bon. Pour manger encore un checkpoint qui me fait revenir une demi-heure en arrière, c'est bon, ça sert à rien. Hein? Mais... Encore? Oh là 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 là. On va crever. En plus, je sais même pas si c'est ça qu'il faut faire. Moi, je fais le jeu sans... Le jeu sans soin, rien, enfin je sais pas. Je fais peut-être vraiment les choses pas correctement. Ils arrivent, ils arrivent. Je vais contourner. Oh, ils savent tous où je suis. Ils savent absolument tous où je suis. Je vais se coucher un coup, mon pauvre Snake. T'as vraiment pas de chance, hein. Partout. Ah là là, je parle pas beaucoup, hein, mais parce que c'est compliqué. Stop, continuez d'avancer. Voilà, pour chasser. Il est parti par là-bas, tout droit. Pour chasser-le. Il est où mon prisonnier là? Oh!
Ah, c'est un gars avec un bouclier. Il est plus dans les grilles, mon prisonnier. Oh, oh là 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 là, mais les gars, mais franchement. Retourne-toi, toi. Ah, je vais vous faire la guerre. Ça, je vous le dis, je vais vous faire la guerre. Ça, je vous le garantis que je vais vous faire la guerre. Bon. Il est pas là, mon petit pote. Où c'est qu'il pourrait être? Où c'est qu'il pourrait être là? Attendez les gars, il faut que je vais mettre des points sur où je peux fouiller, genre. Rien là-dedans, y a personne. J'entends parler pourtant, j'entends s'il vous plaît, hein. Je t'entends mon pote, mais t'inquiète. C'est quoi ça là qui bouge? Où c'est qu'il est? Je l'entends. Ah, peut-être en dessous là. Oh oui. Oh merci Seigneur. Viens avec moi. C'est la cible, je sais. Oh non. On doit l'évacuer par hélico. Oh non. À chaque fois, il y a des galères. Va crever, hein. You think we're angry? The poor bastards from Massa Village will bleed you all dry for this. Y'en a là-bas. Y'en a là-bas, mais y'en a pas droit devant moi, peut-être. On va juste prendre un petit peu. Un petit peu de fuite de largeur. Allez, allez, allez.
Oui, on vous attaque, bien vu. Hélico, est-ce que je peux appeler l'hélico? Rendez-vous. Sur la gauche, vas-y. La droite devant moi. Il y en a là-bas. Hein. Allez, on va y aller à pied, ce sera toujours un peu plus safe. Putain, il y en a plein là-bas, il y en a plein là-bas. Venez nous voir, c'est bon. On y va, on y va, on y va. Allez, l'hélico, c'est maintenant que tu dois nous aider, c'est maintenant! Oh là 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 là. Bah viens, viens. Nous aussi on est sur la zone d'atterrissage. Regarde, je te mens pas. Go 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 go, arrête de reculer. Hop, toi je te charge, je monte avec vous. On est marre. De rien, de rien. Ça fait plaisir, merci. Ah là, dis donc, je me saigne pour les Diamond Dogs. C'est pas facile à dire. Allez, je vous ai filmé, vous, ciao. Vas-y, pars. Sauve-toi. Waouh, 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 waouh. Ah, je dois vraiment sortir mes capacités. Pas de soins, pas de camouflage optique, rien du tout. Les armes, je les développe pas, je suis avec les mêmes armes qu'au début. Ah, je fais ça vraiment dans le dur, je pense. Hein. Alors que c'est un let's play juste pour présenter le scénario, je pourrais me permettre de faire ça. Mais je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait. Je m'attarde pas sur les développements, machin, je mets tout en assignation auto. Mais bon, au moins voilà, si vous suivez le let's play, que vous c'est peut-être même un de vos jeux préférés. Vous allez peut-être me donner un petit peu de respect. J'aimerais bien. Ce serait la seule chose qui me fait plaisir. Oh non, ça l'inquiète. Moi aussi, ça m'inquiète quand tu dis que ça t'inquiète. Alors... Vous avez reçu le bonus du jour, acceptez-le sur l'écran récompense. C'est la récompense. Alors, alors. Des jetons, ouais, merci. Question du personnel. J'ai recruté pas mal de monde, donc qu'est-ce que je peux refaire? Assignation auto. Ok, apparemment c'est déjà tout bon. Liste des missions, on en a deux nouvelles maintenant. Méfions-nous du sang qui dort. Oh, ça me fait peur, vos titres de mission. Éliminer les 6 soldats rebelles Mbélé, prisonniers de la tribu Buta dominante pour les empêcher de parler. Ouais. Émission 19, en suivant la piste. Le commandant d'une SMP, connu sous le nom de Major, répand une rumeur sur la vente d'armes nucléaires. Suivez son subordonné et éliminez le Major. Bon bah de toute façon on doit faire celle-là. Hein. Éliminer les 6 soldats rebelles. Ouais. Bon. S'il faut le faire dans... Dans l'explosion, l'explosivité, y a pas de problème. Alors. Qu'est-ce que tu veux dire de D2? Sélection de l'équipement. Mais en vrai, j'ai tout là. Je peux rien mettre de plus. J'ai. Oh non, j'ai rien de nouveau. Bon, allez, c'est parti. On va y aller comme ça encore une fois. Hein. C'est parti, je lance. Perds pas de temps. Éliminer les 6 prisonniers. Si je peux envoyer mon hélico et tout, ce serait bien. Oh là là. Tout bombardé là, oh là là. Allez go. Méfions-nous du sang qui dort. Ah, pourquoi ça me donne des frissons? Pourquoi? Encore une mission impossible? Je suis pas Tom Cruise moi. There are 6 targets. Our contract is to kill them all. And the client is the general they served under. He wants them dead to keep them from talking. Ok, donc les cibles sont sur le iDroid. On va regarder ça. Oh là, c'est pas un tank que je vois en bas là déjà.
Attends. Ah non, j'ai eu peur. Ok. Donc c'est où? Ah, ils sont tous à des points différents. Ok. Ok. Pourquoi on survole pas en hélico et on peut pas tout faire en hélico? Ce serait plus simple. Allez, j'y vais. Oui, merci. Laisse-moi m'avancer un petit peu. Si, si, c'est bien un tank. Si, totalement. Totalement. C'est bien ce que je pensais. Écoutez, on va déjà s'éloigner du tank. Ce sera déjà la meilleure chose à faire. Et il n'y a bien que deux zones. Hein. Ouais, il y a deux zones. Ok. Ça fait quand même plaisir d'être en Afrique. Je pense vraiment que je préfère cette map hein, comparé à l'Afghanistan. Oui, attends-moi là. On va y aller comme ça. Putain, je pourrais la faire au snipe, ce serait trop beau. Alors, il y a quoi ici? Ok, donc je dois les identifier. Attends, il y a des petites plantes à récupérer. Y'a personne en bas là, c'est bizarre. Ah si, d'accord. Ok. Oui, je sais que tu me vois, je sais. Oh là là, ce que je m'ai mis de loin. En tout cas, tous ceux que je vois là, c'est pas les généraux. Enfin, c'est pas les prisonniers, pardon. C'est plutôt bon signe. C'est lui en bas qui m'a vu là. Et il me voit de loin maintenant. Oh là là, mais laissez-moi tranquille un peu. Ils sont de plus en plus énervés, quoi. Genre il peut monter là? Ah! Ça c'en est un. Ça c'en est un et genre il y en a 6 à tuer. Ouais, bah bon courage à nous. Oh, il y a des tanks qui rôdent de partout. Ça c'en est pas un. Je peux pas le remettre au snipe. Ah mais j'ai plus mon snipe, évidemment. Bon. Putain, ils me voient tous. Je contourne. J'ai pas d'autre pistolet. Est-ce que j'essaye en vrai de lui mettre une tête depuis là? Oh, personne s'est excité. D'accord.
c'était un putain de leurre. Ça c'est pas un leurre ça. Ça c'est pas un leurre. Viens avec moi mon petit pote. Faut que tu me dises où sont les autres, je te jure. J'ai failli le laisser partir normal quoi. Allez hop, ça dégage. Bon, apparemment il y en a d'autres hein. Est-ce qu'il y en avait juste un ici et tous les autres ailleurs ou pas? Parce que là, j'en ai pas vu. J'ai pas vu d'autres bonhommes avec le t-shirt blanc. Hein. On fait quoi? On avance, les gars? Vas-y, en vrai, je vais avancer. Tant pis. Viens, R2D2. T'es où? T'es là. Merci. Ouais, ouais, moi aussi, je suis content de te voir. Vas-y, on y va, on va voir. Ouais. Oh la putain, c'est pas une base ça j'espère. Prendre la hauteur, toujours les gars. Toujours, c'est Bear Grylls qui disait ça. Il disait si vous êtes perdu dans la montagne. Je sais pas comment tu peux être perdu dans la montagne. Peut-être en randonnée, ouais. Il disait prenez de la hauteur. Ça va vous permettre d'avoir un point de vue à 360 degrés. Et suite à ça, appelez votre hélicoptère. Échappez-vous. Bon, attendez, je fais pas le malin parce qu'il y a encore des trucs là. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des méchants ici? Les méchants! Les méchants! La grosse moula poursuivie par les méchants. On y va, on y va. Si on a 5 à éliminer. Il est pas sorti de l'auberge, mais Dieu. Putain, fait chier, c'est derrière. Attends, puis il y avait bien du monde là. Ah ouais. Il y avait bien du monde. Il se fait un kiff tout seul. Il est tout seul dans sa base, l'autre. Donc attends, c'est derrière. Ah non, genre faut rentrer là. Ah ouais. Essayer d'y aller. Il y a un hélico qui rôde en plus. C'est génial. J'ai atteint la mine. Ah, 5 cibles sont retenues prisonnières. Ah donc ok, les 5 sont là. Mon droïde me montrera où ils sont. Ok. Il y a des ennemis là ou pas? Il n'y en a pas. Toujours l'hélico. Donc en fait ok, c'est une mine. On rentre comment dans votre connerie là? Y'a pas d'entrée dans votre mine là, comment on rentre? Ah oh, putain, c'est pas vrai. Ok, bon. Heureusement qu'il me reste un minimum de réflexes. Pourquoi faut qu'ils cachent leur tête à chaque fois? Remonte ta tête! Remonte ta tête! On tremble quand même, enfin on tremble, on bouge. Hein. Alors. Ok. Ouais.
Par contre, comment on rentre? J'aimerais bien savoir. Je rentre par la grande porte, comme tout le monde. Je peux pas rentrer. Génial. Ah si. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. En tout cas, on le fait, ça c'est sûr. J'aimerais tellement finir cette mission avant la fin de l'épisode, ce serait bien. Qui route quand même, faut faire gaffe. C'est un leurre ça. Ok. On va continuer notre petit chemin. Je vais faire le tour. Pas d'ennemis aux alentours, c'est bizarre. Il faut peut-être descendre en fait. Peut-être descendre dedans là, j'ai l'impression qu'il y a un gros trou là, on peut descendre. On voit où lui? Où ce putain d'hélico? C'est quoi? Oh non, il y en a encore un avec un gros bouclier là. J'ai tellement envie de la faire en mode carnage, j'ai appelé mon hélico qui vous défonce tous là. Oh. Ah, je suis focus de chez focus. Vous le dire. Je suis en train de ratisser la zone. Et voilà, j'ai plus de silencieux. Aïe aïe aïe. Là ça va être chiant. Attendez tout, machin, ouais ouais. Vous êtes pas par là là? C'est quoi ce... Tiens, je vais ramener un petit poster pour les potes. Alors pour l'instant, toujours aucun signe des ennemis. Ouais, je pense bien qu'il faut descendre. C'est un leurre ça? Ouais, c'est un leurre. Ah, j'arrive pas à le niquer.
Il est où? J'arrive pas à le voir. Oh, il est là, ok, il veut remonter. Écoute, normalement j'en ai marre. Oh non! Ok, c'est la première fois que je me des premiers soins. D'accord. Ah ok, il y a vraiment tout le monde qui me rafale là. Bon, d'accord, très bien. Super bien. Je vais Big Boss. Extrais-le, il est mort, je sais pas pourquoi je l'extrais. Putain, mais qu'est-ce que vous me saoulez, vas-y, y'a pas moyen de tous vous défoncer là. Ça c'est un leurre, ça, c'est pas un vrai truc. Ils sont où les autres ennemis là? Oh. Ok, allez, on continue. Mais où il me voit? Oh là là, la chatte que j'ai. Mais il déteste ça. Ça s'arrête pas. Donnez-moi tous les diamants là. Vous avez plein de diamants, ça fait plaisir. Voilà. Je serai frustré, j'aurai le seum, mais au moins je serai riche. Il y a encore tout ça, mais c'est quoi cette zone interminable? Bon, je sais pas où je vais là, mais c'est en tout cas j'y vais. Seul. Pour moi c'est bien, voilà, cette mission elle change quand même, c'est pas mal. Ah, y'a quoi? Est-ce qu'il y a un ennemi ici? Y'a pas d'ennemi, par contre y'a du métal courant. J'ai envie de l'exploser cet hélico, je vous jure. Là je sors de la zone là. Non? Même pas. Personne ici. Allez, bah tu sais qu'on va remonter là-bas. Hop, 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 hop. Et ça me dit au moins combien j'en ai tué là. En passé 6 minutes 20... 25. Ah, mais le temps est ralenti, bah oui. Je sais même pas combien j'en ai tué. Je peux rentrer là. Ok. Ça fait déjà 45 minutes. Je sais pas si on va avoir le temps de finir. Imaginez, ils sont les trois là, genre. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Des têtes de mort, je suis sûr. J'adore, ça arrive au moment, je comprends rien.
Qui c'est ça? Encore un otage? Ah non! Ah non! Ah oui, je suis content de voir des enfants, mais non, franchement. À chaque fois, ça se passe mal avec les enfants. Ils se font exploser et ils me créent des problèmes. Ah, merci, c'est sympa, ça. Tu tenteras pas de m'amadouer. Je te le dis tout de suite. C'est pas ça qui va me faire changer d'avis. Non, non, garde-le, ton diamant. J'en veux pas. J'ai cru qu'ils allaient me faire un fuck. Les visages sont super bien faits. Enfer ou le paradis. Oh. Outer Heaven. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai eu peur. Looks like our client just got outbid. We got the recording. Objective accomplished. Let's go. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que Big Boss il allait rafaler dans le tas. Attends, déjà que c'est dur tout seul, je vais devoir faire le babysitter, sortir avec tous les petits. Oh. Je vais vite vous extraire avec le fulton. Vous allez voir, on va faire un manège. J'ai le BAFA. Allez, ils vont tous venir avec moi. Je dois protéger les enfants, je dois les ramener vivants, ouais. Exit the cave and turn left, then pass through the swamp and follow the river downstream. Et lui, il vient pas ou quoi? T'es blessé? Attends, attends, il y avait plein de diamants à récupérer avant ça. Ils vont où là? Non mais attendez-moi, vous allez pas partir tout seul hein. Un seul enfant meurt, c'est l'échec de la mission. Oh, il y en a plein partout. Bougez pas, bougez pas. Arrêtez de courir! Ah, je peux donner un ordre aux enfants. Ah, ça va être un échec, les gars. Ça m'aurait arrangé d'avoir un pistolet qui tue, quoi. Parce que là, si c'est pour endormir, ça va être compliqué. Attends. Ils m'entendront pas si je suis trop loin d'eux. Venez, venez. On va tenter de toute façon. C'est quoi ces tas de sang? Ah, j'ai plus de silencieux, ça fait chier. Ça va être stressant. Vous me suivez ou pas là? Hélico, hélico. Venez les petits, venez, venez. Les petits. Ils vont où les petits? Ah, vous êtes des malins. Vous êtes des malins de vous cacher là, bien joué. Vas-y, j'avance en éclaireur et puis vous venez si vous avez envie. Attends, je te jette là 2 secondes. Je vais faire un tour, j'arrive.
Ça a l'air safe. Ouais, venez, venez. Je reprends votre pote là. Pourquoi je peux pas les extraire au fulton, quoi? Non, mais regardez-moi combien on est. Je suis animateur enfance jeunesse ou quoi? Puis il y a l'hélico en haut là. Oh là là. Mais arrête, pourquoi il fait son chemin tout seul lui? Oh, il y en a pas partout. Je vais juste faire un petit ménage et après je vais le chercher. S'est fait piquer, il dormira bien, j'arrive pas à lui mettre de tête. Je vais rechercher le petit. Allez, allez, allez. Il est où? C'est lui là. Allez, venez, venez. On avance. Là quand même je suis content. Même si j'échoue. Vous voyez, c'est pour ça que j'espère que vous me comprenez dans ce que je vous raconte un petit peu. Même si j'échoue, honnêtement là je ragerai pas. Parce qu'au moins ça change, c'est original. Sauver des petits comme ça là, c'est super stylé. Je suis à fond dedans. Renforcer la sécurité, mais comme si c'était pas assez renforcé votre sécurité. Et les petits, ils m'entendent pas là, ils sont loin. Venez les gars, avancez un peu. Élimine les ennemis, quoi? J'ai plus silencieux, j'ai plus rien. Ouais, mais comment je leur dis de venir? Ah, il l'a tué. Ouais, c'est bon, c'est hardcore. T'as allumé combien de fusils à pompe? Oh, cible est morte. Bon, j'ai dit que je réagirai pas. Par contre, les gars, ce qu'on va faire, on va arrêter l'épisode ici parce que je veux pas que ça déborde. On finira au prochain. Bon, ça avance pas beaucoup au niveau du jeu, mais tant pis, on fera le nombre d'épisodes qu'on fait, c'est pas grave.
Parce que j'ai peur que là ça fasse encore super long. Après, s'il y a des cinématiques, des machins, donc on continuera au prochain. Puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rendez-vous très bientôt pour l'épisode 15. C'est ça que j'ai à vous dire. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude, la santé et l'humour. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.